Alors aujourd'hui, vous avez vu que devant moi, il y a des familles. Vous ne savez pas quoi? Eh bien, c'est des familles. D'abord, c'est un bâtard que je vais jouer, mais si vous en avez chez vous, ou si vous voulez en acheter, ou même le fabriquer, eh bien, je vais vous dire les règles. D'abord, vous mélangez toutes les cartes. Après, vous faisiez un mur entre vous deux. Et vous placez la pioche. Et c'est là. Et après, vous faites chiffonnier, vous faites comme vous voulez. Pour savoir qui va commencer le premier. Après, vous dites, par exemple, dans la famille royale, je voudrais le père. Ben, s'ils l'ont, ben, vous lui donnez et vous continuez à dire ce que vous voulez. Mais si il ne l'a pas, ben, c'est au tour de l'autre. Voilà. Alors, comment fabriquer le jeu des sept familles? Bah, c'est facile. Si vous voulez que, pour pas que ça soit une feuille, pour que ça puisse se déchirer facilement, bah, moi, j'ai des feuilles cartonnées. Ça, je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez les plastifier si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas encore plastifié, je ne sais pas. Et après, vous écrivez là. Le nom de votre famille, il faut bien qu'il y ait sept familles. Et en haut, vous marquez la famille et qui c'est. Là, c'est animaux, la grand-mère chat. Et là, j'ai fait la grand-mère chat. Hein. Ils sont tous comme ça, en tout cas, voilà. Je vais déjà vous montrer la famille chat. Alors là, vous avez déjà vu la famille grand-mère. La grand-mère, je veux dire. Le grand-père. Le fils. La fille. Le père. Et la grand-mère. Je veux dire la mère, pardon. Après, je vais mettre de côté. Voilà. Après, la famille sportive. Elle, je ne l'ai pas terminée, mais voilà. La grand-mère, j'ai mis un jeu pour dire que c'est la grand-mère. Le fils, que j'ai toujours pas fait. C'est la grand-mère. Hein. C'est la grand-mère. Pas la grande-mère. La grand-mère, mais j'ai mis un E à la fin, mais j'effacerai. À part le fils, j'ai toujours pas fait les cheveux, mais je le ferai. Et à part la fille, le la fils, mère... Il n'y a pas de E non plus là, hein, là le fils. Fils bon. E. Bon. Après la fille, la mère, le père et le grand-père, je n'ai toujours pas fait. Donc, si vous voulez, je vous ferai une prochaine vidéo avec les sportifs, quand je vais terminer. Alors, E, il faudrait que j'y pense. La famille licorne. La mère... La grand-mère, le grand-père et la mère, la fille, le fils et maman ne dit rien, je sais rien. Et le père. Maintenant, la famille lunettes. Le grand-père, si vous ne voyez pas très bien, là, c'est normal. Là, c'est des lunettes rondes. Le père, des lunettes carrées. La mère, des lunettes triangles. La grand-mère, des lunettes rondes. La fille, des lunettes triangle et le fils des lunettes carrées. Je sais pas si vous voyez bien les lunettes, mais en tout cas, il y en a. Oh. Voilà. Je recommence la famille super-héros. Ne croyez pas que c'est ses cheveux, c'est une cape qui fait comme ça.
le grand-père. En vrai, c'est des cheveux, mais c'est la cape qui va faire. Va faire comme s'il descendait comme ça. La grand-mère qui a le pouvoir des feuilles. La mère. Et ces machins-là, c'est pour plus qu'elle fasse comme ça. Pour qu'elle fasse comme ça, faire comme un oiseau. Pour qu'elle vole. Alors, les meilleurs pour la fin. Le père qui a le pouvoir du vent. Alors là, si vous êtes une fille ou un garçon qui aimait Miraculous, alors là, j'ai fait la fille Ladybug. Bon, je l'ai fait un peu petite. Fille Ladybug. Et le garçon chat noir. Et si vous ne connaissez pas encore, ben c'est Marinette qui est choisie par Maître Fou pour être Ladybug. Voilà. Pas un discours sur Ladybug pour l'instant. Bah, maintenant on est royal, j'ai oublié de faire la couronne, mais je la ferai. La fille, la mère, on dirait deux dents, la couronne, le père, le fils, en deux, je l'ai fait un peu carré. Plus esprit. On arrête. Le grand-père, il a une moustache violette. Et la grand-mère, et ça c'est une... Comment ça s'appelle déjà? Une écharpe. C'est le L avec des ailes. Parce que je faisais que c'était un T, donc j'ai rattrapé avec des ailes. La mère. Bon, c'est un peu biscornu, mais voilà. Le fils. Le grand-père avec la longue moustache. La fille. Et la grand-mère. Voilà, c'est tout. Et ben bon jeu. Et vous verrez que ça va être marqué bonus parce que un petit bonus, ça sera comme là on est le soir du 1er avril. Ben j'ai déjà fait mes poissons. En fait, j'ai déjà fait que un. Parce que j'ai pas le temps, parce que je devais faire mon travail, donc j'avais pas le temps. Donc je vais vous le montrer. Allez, c'est parti! Alors voilà, j'en ai déjà fait que un seul. Qui va être collé dans un beau dos. Qui l'a ça fait? C'est la mère de Célène. Alors merci Célène, mais c'est la Célène de Chabrillan. Après, il y a ces deux poissons, enfin plutôt hippocampe, voilà, et un petit poisson. En fait, c'est sa maman qui les a réalisés, ces... Ouais, c'est sa maman. Ces beaux poissons. Ouais, c'est sa maman qui les a fait. Après, ce poisson est un peu bizarre, mais voilà. Et ce poisson, mais là, ça se voit, je trouve que ça se voit bien, c'est fait au crayon, parce que, enfin voilà. En tout cas, c'est trop joli. Alors, si Célène, tu vois cette vidéo, bah, tu la montreras à ta maman et si tu veux à ton papa. Et en tout cas, vraiment merci. Il y a plein de petits poissons cette fois. Et cette fois, une rangée de poissons. Mais ici, il y a le même poisson
Qui si, mais c'est pas très grave. Au revoir. Et surtout, mettez des pouces bleus. Et si vous regardez cette vidéo et que c'est déjà le 1er avril, eh ben, joyeux 1er avril et voilà. Et n'oubliez pas de coller les poissons dans le dos.